plusieurs. Non, non, t'es nous, c'est moi. Ouais, tu vois, si tu es dans ce pomme. Oui, mais tu es là, tu es là, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de do sunu bi se se number asie tan la ni doa yen yen dano asu checho bo doa bo den ka do wa tinu mi ya ndo ganji la gbaza me kaka nu pe tinwe ni chobo wa de ni yon no wa nti ya ni yon yen da gbe we yin o enu wa tinu mi ya ara do yi we de bo na do won won bo na wa nu sunu de ma nduru na we ya we sunu do won bo he bi tu ele e we yin o eyin nu ya ya ara ji bi o vi jiji me o bon an djivi o amato ganjia an djivi o vio na invia a grand djivi bla do ve na menu vi non bla do ve la menu victoire de sudo vi de ou esi pe bo si re an we do ji mo e donado we na e dona so gbe we bon an zeti to me cho ba djivi vi ero ji pa mo a dayo no se lo no blo analyse we cho mo no blo planning le ji toto le titi me ni e gbe din ojo me ku no blo analyse wo. Novembre, nous sommes dans ce processus de gratuité intégrale, c'est-à-dire la femme vient depuis le carnet jusqu'à l'adoption de sa méthode, elle ne paie rien, zéro franc. Si elle vient pour le retrait, elle a fait sa méthode, elle a fait l'année correspondante, elle a respecté l'espace intergénésique, elle veut concevoir, elle vient, on lui retire la méthode sans un franc. Maintenant, si elle présente des effets secondaires tels que, je le disais tout à l'heure, les effets qui sont dus, connus à l'adoption des méthodes contraceptives et que les médicaments dont elle a besoin pour pallier à ces effets sont dans le financement communautaire, elle prend également ces médicaments gratuitement. L'initiative de la gratuité de la planification familiale en faveur des 15 aires sanitaires est vraiment la bienvenue pour les populations de Ouida, Pomassé et Toribosito. À l'heure où les ménages font face aux affres de la pauvreté, de la faim et de la cherté de la vie, la planification familiale demeure l'une des stratégies efficaces pour les aider à espacer et planifier les naissances et ainsi mieux vivre. Chaque année, nous avons 1500 femmes qui meurent en accouchant. Nous avons également 12 000 nouveau-nés qui meurent. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces décès sont évitables. Et c'est à cela que nous devons nous atteler. Parmi les causes essentielles, les grossesses rapprochées. Avec ces grossesses rapprochées, bien sûr, nous avons associé la pauvreté, puisque nous avons des naissances nombreuses avec des familles qui ont du mal à s'occuper évidemment aussi de ces enfants. La non-satisfaction des besoins est due à plusieurs facteurs dont les difficultés financières des femmes et des ménages limitant leur accès à ces services non gratuits, la non-disponibilité permanente des produits de planification, la non-maîtrise de toutes les techniques contraceptives par les agents de santé. Les premiers résultats obtenus confirment l'importance de cette intervention, de cette gratuité de la PF. La prévalence contraceptive dans la zone sanitaire est passée de 14,6% en 2021, malgré les multiples campagnes, à 16,3% au premier semestre 2022. Le nombre de bénéficiaires est passé de 2603 pour la période de janvier à juin 2021 à 3113 pour la période en 2022. Avec une forte utilisation des méthodes de moyenne durée, implants et injectables.
avant la gratuité, les moyennes que nous recevons, nous, moyennes nouvelles, femmes, on oscillait entre 15, 12, 15, maxi 20 par mois. Mais depuis que nous avons commencé les méthodes, la gratuité intégrale, nous sommes à une moyenne de 100 nouvelles par mois.